Il me fait grand plaisir d'accepter l'invitation qui m'est faite aujourd'hui de rendre hommage au Dr Camille Lorrain à l'occasion du 10e anniversaire de son décès. Le Dr Camille Lorrain est un personnage d'exception qui a apporté une contribution tout à fait remarquable, autant au niveau de l'enseignement universitaire qu'au niveau du dispositif de soins en psychiatrie que comme homme politique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, dans un premier temps, de l'universitaire et du pédagogue qu'a été le Dr Camille Lorrain. Il faut se reporter à la période où Dr Lorrain a fait sa formation universitaire. À ce moment-là, il devait s'exiler à l'extérieur du pays pour devenir psychiatre. Il a donc fait sa formation à Boston pour une période de 2 ans et ensuite il a complété sa formation psychiatrique et psychanalytique à Paris. Après cette longue formation, le docteur Wilfrid Bonin, le doyen de la faculté de médecine, l'invite à venir prendre en charge le service de psychiatrie qui faisait partie du département de neuropsychiatrie à l'Université de Montréal. À l'âge de 35 ans, le docteur Lorrain se voit confier un défi tout à fait exceptionnel, à savoir de mettre sur pied un enseignement de psychologie médicale pour les étudiants en médecine, un enseignement de la résidence pour la formation des psychiatres. Ce défi, il l'a relevé d'une façon tout à fait remarquable. Le docteur Lorrain a donné des cours au niveau pré-gradué, c'est-à-dire aux étudiants en médecine, des cours qui ont été multipliés par 10 par rapport à ce qui se donnait auparavant. Et il a fait cette réforme à l'intérieur de l'enseignement universitaire qui s'est accompagnée en même temps de stages dans les hôpitaux universitaires où l'enseignement de la psychiatrie devait avoir sa contrepartie. À titre d'exemple, concernant les cours que le Dr Lorrain donnait aux étudiants en médecine, je voudrais peut-être vous relater deux de ces cours qui m'avaient beaucoup impressionné. Un cours portait sur la notion fondamentale en psychiatrie du transfert. Le transfert, ce sont les sentiments qu'éprouve un patient dans sa relation avec son thérapeute. Ça peut être des sentiments à la fois de colère, de haine, d'amitié et même des sentiments d'amour pour son thérapeute. Et à ce niveau-là, le docteur Lorrain nous dit qu'il s'agit là d'un levier thérapeutique sur lequel on peut travailler et qu'on doit analyser. Le cours suivant, il nous fait part d'une autre notion fondamentale qui est celle du compte-transfert. Et le compte-transfert, ce sont les sentiments qu'éprouvent le thérapeute à l'endroit de son patient ou de sa patiente, sentiments qui vont dans le même sens, sentiments qui peuvent être des sentiments de rejet, d'irritation ou encore des sentiments d'amitié, des sentiments amoureux. Et il nous met en garde en nous disant vous auriez intérêt à faire peut-être, si vous avez le loisir, ça serait un outil précieux, indispensable à certains moments, que vous puissiez profiter vous-même d'une psychothérapie ou même d'une analyse. C'était à ce moment-là très suggéré, très en vogue pour ceux qui veulent faire carrière en psychiatrie. Mais comme il s'adressait à des étudiants, alors il voulait les mettre en garde contre le piège dans lequel certains thérapeutes ou certains médecins peuvent tomber, c'est-à-dire devenir amoureux de leur patient. On voit qu'il abordait, à travers ces deux cours, une notion fondamentale qui était celle de l'éthique du professionnel dans sa relation avec son patient. En contrepartie de ces cours théoriques qui étaient très stimulants et qui faisaient en sorte que les étudiants, souvent après le cours, s'approchaient du professeur Lorrain pour aller échanger, discuter, le docteur Lorrain trouvait qu'il fallait, en contrepartie, donc développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'immersion clinique, c'est-à-dire que de faire en sorte que les étudiants en médecine puissent voir dans les milieux hospitaliers comment ça se passe dans la vraie vie avec les patients. Et je me rappelle
de mon introduction à l'Institut Albert Prévost comme étudiant, où on avait été reçu avec un cahier très bien documenté, des articles de référence à lire, un patron qui serait là pour nous accompagner, nous superviser, nous faire voir à l'occasion quelques patients. Donc, il avait développé à l'intérieur du pavillon Albert Prévost un lieu d'accueil pour la poursuite de cet enseignement universitaire. Un deuxième défi important, toujours au niveau de l'enseignement, c'était la réforme de l'enseignement théorique et clinique de la formation du psychiatre. On a dit au début que le résident en psychiatrie à Montréal et au Québec devait s'exiler pour aller faire sa formation. Donc, c'était de construire un programme élaboré sur 4 ans pour donner un enseignement théorique et aussi un enseignement clinique qui aurait lieu parallèlement dans les hôpitaux universitaires. C'était un défi important parce qu'il fallait, semaine après semaine, bâtir ce programme d'enseignement théorique. Et lui s'en était confié une lourde tâche, mais il avait partagé avec des collègues qui étaient de retour des États-Unis ou encore d'Europe et qu'il avait mobilisé, qu'il avait mis à contribution pour bâtir ce programme étalé toujours sur 4 ans, mais qui se construisait d'année en année. Il est allé chercher des collègues qui étaient tout à fait avec une connaissance théorique et clinique tout à fait récente, tout à fait d'actualité, et qui revenaient des États-Unis et d'Europe. Ce cours s'est donné d'une façon continue, année après année, si bien que tous les résidents pouvaient faire l'ensemble de leur formation à Montréal et au Québec. Il a mis sur pied donc ce premier programme de résidence francophone au Québec. Le docteur Lorrain donc a réalisé les objectifs que lui avait donné le doyen au terme de 4 années, qui a été les 4 années de son mandat comme responsable du service de psychiatrie dans le département de neuropsychiatrie. Il a réalisé le premier défi qui était de construire un enseignement en psychologie médicale pour les étudiants au niveau sous-gradué, de développer et de mettre sur pied le premier programme francophone pour les résidents en psychiatrie, de sorte qu'ils puissent faire leur entraînement de façon continue à Montréal et au Québec, et enfin de développer un intérêt soutenu pour les étudiants qui, de plus en plus, ont opté pour cette spécialité qui était mal connue et qui ne recrutait pas beaucoup d'étudiants en médecine pour cette spécialité. Donc, il a fait une réforme assez extraordinaire au niveau de l'enseignement en tant que pédagogue et qu'universitaire. Un autre moment marquant de la carrière du Dr Camille Lorrain, ça a été le moment où il a postfacé un volume, « Les fous crient au secours », qui avait été fait par Jean-Charles Paget, un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu, qui était un alcoolique et qui avait vécu des périodes très difficiles et qui avait passé 5 à 6 mois à l'hôpital Louis-H. Lafontaine, qui était autrefois l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Le fait de publier ce volume avec la postface du docteur Lorrain a donné à ce volume un impact considérable, si bien qu'il a été vendu à près de 20 000 exemplaires, ce qui est un succès de librairie assez exceptionnel, et qui se situait au moment de la Révolution tranquille au Québec en 1961, où M. Lesage venait tout juste d'arriver au pouvoir et qui apportait des réformes à plusieurs niveaux, au plan économique, culturel, social, et donc la santé mentale a été mise de l'avant. Devant ce succès, et dû à ce témoignage de M. Paget, qui dénonçait au fond la façon dont les soins étaient donnés à l'intérieur des grands milieux asilaires. Alors, il déplore qu'il s'agit là d'une rigidité. Le matin, on distribue les médicaments. Il y a des heures tout à fait structurées et arrêtées qui sont incontournables, auxquelles doivent se soumettre tous les patients.
Il y avait aussi très peu d'éléments thérapeutiques qui se faisaient à l'intérieur des milieux asilaires. C'était une formule qui était dépassée et de beaucoup parce que, il y avait d'immenses salles où il y avait 90 patients qui avaient leur lit et leur petite table de chevet. Et aussi, il n'y avait pas d'activité thérapeutique. Les hommes étaient dans des pavillons qui se succédaient les uns les autres au fur et à mesure qu'il y avait augmentation de la population, et les femmes de l'autre côté avec d'autres pavillons qui s'ajoutaient avec l'administration au centre et la chapelle. Des structures asilaires très typiques de ce qu'on a retrouvé en France et aux États-Unis dans les state hospitals. Donc, cette dénonciation qui est faite par un ex-patient, appuyée par le chef du département universitaire de psychiatrie, le docteur Camille Lorrain, aura donc cet impact. Qu'est-ce que le docteur Lorrain met dans cette postface? Plusieurs éléments. Il dénonce d'une part que 20 000 lits de type asilaire existent au Québec en 1961, alors qu'il y a 24 000 lits qui sont destinés à tous les autres soins physiques, que ce soit pour la chirurgie, médecine interne, dermatologie, tous les soins physiques de la médecine courante. Il s'agit là donc d'une inflation d'une population, et comme cette population psychiatrique est à peu près pas traitée à ce moment-là, les succursales des grands milieux asilaires se multiplient. On verra apparaître Saint-Charles-Borromée à Joliette, on verra apparaître l'Annonciation qui s'est développée aussi dans les Laurentides et dans d'autres secteurs du Québec, le Sanatorium Rost à Gaspésie, etc. Le docteur Lorrain dit qu'il faut repenser la structure asilaire, il faut développer du personnel compétent et médical, il faut ajouter des équipes multidisciplinaires, des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmières spécialisées en psychiatrie et aussi des ergothérapeutes. Donc, on voit qu'il lance déjà tout un projet, tout un programme de réforme qui se fait à travers la postface. Devant ce succès, on pourrait dire, médiatique et la vente des 20 000 exemplaires, le gouvernement Lesage ne reste pas indifférent et dit qu'il faut créer une commission qui sera la commission Lazure, Roberts et Bédard. Docteur Bédard en sera le président et occupera secondairement la fonction au niveau du ministère d'une division de la santé mentale qui aura un impact considérable. Qu'est-ce que contenait le rapport de la commission Bédard, Lazure, Roberts? Dans les grandes lignes, disons qu'il y avait l'idée de redonner la dignité au malade mental et de le considérer comme un être humain souffrant dans sa psyché, dans son monde intérieur, et qu'il fallait le traiter d'une façon aussi importante qu'on pouvait faire comme pour les maladies physiques. Il décide donc, dans la commission Bédard, on recommande que le malade mental puisse être traité dans un hôpital général. Et les départements de psychiatrie vont devoir exister dans tous les nouveaux hôpitaux qui seront mis sur pied éventuellement. On avait donné un critère de 10% des lits qui devraient aller à la psychiatrie. Donc, sur un hôpital de 400 lits, 40 lits devraient être donnés pour la psychiatrie. L'idée fondamentale était d'intégrer le malade mental comme un malade comme les autres, malgré toutes ces différences au plan thérapeutique. Donc, c'était une première dans ce sens-là. La deuxième, c'était d'arrêter la construction des asiles. Et le dernier asile qui était dans les plans qui devait être construit et qui avait commencé de l'être, c'était à Sherbrooke, parce que c'était le seul secteur de la province qui n'avait pas son hôpital psychiatrique, grand hôpital asilaire. Et les fondations avaient été jetées pour la construction de cet asile, si bien qu'on a arrêté les travaux suite à la commission Bédard pour construire l'hôpital universitaire de Sherbrooke. Et on se demandait des fois pourquoi l'université de Sherbrooke était en périphérie de la ville de Sherbrooke. C'était sur le modèle des hôpitaux asilaires qui étaient toujours construits en périphérie des grands centres,
avec des grandes murailles pour protéger la population. Les asiles étaient des lieux de réclusion pour les malades et d'hébergement plutôt que des lieux thérapeutiques. Une autre recommandation de la commission Bédard, c'était de dire qu'il faut développer les équipes multidisciplinaires dont on parlait tantôt et de donc engager du personnel spécialisé, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmières, mais aussi de favoriser la formation des médecins en psychiatrie. Et on a vu qu'il avait travaillé au niveau universitaire pour que l'accessibilité à la formation puisse se faire. Il a été même recommandé dans le rapport que des bourses soient données aux omnipraticiens pour qu'ils viennent se spécialiser en psychiatrie, ce qui a eu un impact assez considérable. Si bien que de 200 psychiatres qui existaient au Québec en 1961 au moment de la commission, on se retrouve cette année, en 2009, 45 ans plus tard, avec 1200 psychiatres actuellement au Québec. Donc, à ce niveau-là, c'était une des recommandations majeures, favoriser le recrutement, la formation dans toutes les approches thérapeutiques du malade mental. Aussi, de diversifier les formes de thérapie. Alors, il y avait des thérapies familiales, des thérapies avec intervention sociale, des thérapies de groupe, des thérapies individuelles, des thérapies de forme analytique, d'autres de forme plus interventionniste. À plusieurs niveaux, donc, on assiste à un redéploiement de tout l'arsenal thérapeutique. À cela s'ajoutaient, à ce moment-là, les nouveaux neuroleptiques et les antidépresseurs qui venaient d'apparaître sur le marché. Donc, ils ne minimisaient pas tout l'enseignement et toute la réforme qu'il devait se faire pour rendre disponibles tous ces outils thérapeutiques. Il était contre le fait d'ajouter des lits, mais plutôt de diminuer des lits, d'ouvrir à la population l'accessibilité des soins pour les malades mentaux en dehors des grands milieux asilaires. Il voulait démystifier la maladie mentale dans la population et même à l'intérieur du corps médical. Le rapport de la commission a eu un impact considérable dans le sens où on a été vers une surspécialisation de la psychiatrie, développant la pédopsychiatrie d'une part, la psychiatrie légale, on verra apparaître un peu plus tard l'Institut Pinel qui découlera de cette spécialisation à l'intérieur de la spécialité, de cette surspécialisation, et aussi une ouverture à une accessibilité beaucoup plus grande et beaucoup plus thérapeutique de la maladie mentale. Donc, à ce niveau-là, le Dr Lorrain a apporté une contribution tout à fait remarquable au plan du système de santé psychiatrique pour l'ensemble du Québec. En plus de sa contribution universitaire, dont on a parlé il y a un instant, en plus de sa contribution comme réformateur du dispositif de soins et des retombées de la commission Bédard, le Dr Lorrain a publié près de 124 articles scientifiques dans des revues, autant québécoises, canadiennes qu'internationales. Le Dr Lorrain a été également très soucieux d'organiser des colloques d'envergure internationale. Il a été secrétaire scientifique du 3e Congrès mondial de psychiatrie qui s'est tenu à Montréal en 1960 et il y avait 4000 psychiatres venant d'un peu partout sur la planète et il y a eu 500 communications scientifiques qui ont été transmises à cette occasion-là. Un peu plus tard, lors du 50e anniversaire de l'Institut Albert-Prévost en 1969, il a mis sur pied un autre congrès international qui s'est tenu à Montréal et qui avait comme thème la problématique de la psychose. Il a fait venir à ce moment-là des conférenciers des États-Unis, dont Silvano Arietti, entre autres, qui était une des figures dominantes de la psychiatrie américaine, avec le volume qui était le point de référence pour les étudiants et les résidents en psychiatrie, et des conférenciers européens de très haut niveau,
des conférenciers extrêmement prestigieux. Ce fut l'occasion de mettre Montréal et la psychiatrie québécoise sur la carte internationale. Ces congrès ont eu des retombées extrêmement positives et il y a eu publication de deux volumes qui étaient les actes de ce congrès. Il a supporté un troisième congrès qui s'appelait Fécondation pour une fécondation réciproque de la psychiatrie et de la psychanalyse, qui s'est tenu en 1984, et il a supporté, parce qu'il était à ce moment-là ministre des Affaires sociales, supporté donc ce congrès qui a eu lieu également à Montréal. Cette fois-ci, la différence avec le premier congrès, où il y avait des invités américains et des invités français de très haut niveau, la contribution de Québécois qui étaient présents sur chacune des matinées ou des après-midi de ces conférences. Enfin, sa dernière grande contribution a été le Congrès international d'épidémiologie psychiatrique qui s'est tenu à Montréal en 1990. Il en était le président et il avait réalisé là encore un grand succès au plan scientifique et au plan d'une participation très élargie du Québec. Un autre grand moment marquant de la vie et de la carrière de Dr. Camille Lorrain, c'est en 1970, lorsqu'il décide de se présenter. Et il devient un homme politique. Cette décision a été une décision extrêmement importante pour lui et pour nous réciproquement, parce qu'il mettait un terme à sa carrière et à sa pratique psychanalytique. Et je me rappelle toute l'importance qu'il a accordée de pouvoir confier les patients qu'il avait en charge à des collègues pour que la transition puisse se faire d'une façon tout à fait acceptable pour ses patients et ses patientes. En 1970, il est donc élu député dans Bourget. Avec cinq autres des collègues, il se retrouve chef de l'opposition. Et on pourrait dire que c'est tout un défi qui lui tombe sur les épaules, pensant être plus nombreux et que ce ne soit pas nécessairement lui. Il aurait souhaité que ce soit M. Lévesque qui assume cette fonction, mais il avait été défait dans son comté. Par ailleurs, en 1973, le Dr. Lorrain est défait dans son comté de Bourget et il sera réélu en 1976. Et là, ce serait le Parti québécois qui prend le pouvoir avec une forte majorité. Le Dr. Lorrain se voit confier plusieurs mandats. Je n'en retiens qu'un, celui de la loi 1, qui deviendra la loi 101. Et je voudrais vous lire un petit extrait de ce qu'il disait lui-même de cette loi 101 lorsqu'il a été interviewé par son biographe Jean-Claude Picard en décembre 1998. « Je ne voulais pas d'une loi ordinaire, mais une loi qui s'inscrive dans l'histoire, qui en reprenne le fil pour réparer toutes les blessures, toutes les pertes subies par suite de l'occupation militaire, économique et politique. Je voulais faire une loi qui répare, qui redresse et qui redonne confiance à un peuple qui tenait à sa langue, mais qui était devenu résigné et passif. » Le Dr. Lorrain voulait redonner confiance et donner des perspectives au peuple québécois. Il voulait le sortir d'une situation qui avait été humiliante et qui avait fait en sorte que le peuple avait perdu un peu de sa fierté et des sources vives qui pouvaient l'habiter et qui voulaient mettre en libération. Je voudrais vous citer encore une fois un extrait de ce qu'il a dit au lendemain du référendum en 1980. Le peuple québécois n'est pas encore prêt à rompre le lien fédéral et à partir à son compte. Il n'a pas encore complété ses prises de conscience et achevé la quête de son identité. Il ne s'est pas encore débarrassé de ses conditionnements et servitudes historiques. Il ne fait pas encore assez confiance à ses forces vives et à son jaillissement créateur. Il craint encore l'ère du large. Il n'est pas mûr pour la liberté.
ce que le docteur Lorrain avait fait pour libérer les individus et les amener à leur plein épanouissement lorsqu'il traite ses patients, il le souhaitait de la même manière pour son peuple, pour le Québec qu'il a tellement aimé.